ira mieux. Excuse-moi, j'ai un penchant certain pour ton si bon miel. Ça m'est égal, moi je défends ma nourriture et mon travail. Tu es assez fort pour trouver autre chose à manger, tu vas être puni. Sois pas vache, si tu veux, je vais te promettre de ne plus venir te voler ton si bon miel. Oh, je ne suis pas sotte, je te connais bien. Les abeilles, venez toutes, on va lui donner une leçon. Lâchez-moi! Au secours! Elles sont drôlement déchaînées. Qu'est-ce que Balou leur a fait? Je me le demande. J'ai mal. Bimbo, va vite chercher notre brave Olek. Oui, d'accord. Les abeilles ne plaisantent pas quand on leur vole leur miel. Pourquoi tu leur as pas fichu la paix? Heureusement, Olek va venir et elle va te soigner. J'ai le museau qui me brûle. Olek! Oui? Vite! Viens soigner l'ours. Dis-moi de quoi il souffre et j'emporterai ce qu'il faut. Il s'est fait attaquer par les abeilles. Il a encore été volé leur miel. Oh, c'est normal qu'elle l'ait attaqué. Voilà. Dis-moi, Bimbo, est-ce que les abeilles l'ont piqué? Oui, son museau est tout gonflé. Alors c'est ce qu'il faut, une pommade à base de glaise. J'en ai pour 2 minutes, hein? Attends-moi! On ira plus vite si je grimpe sur ton dos, hein? Attends! Ne bouge plus, je vais sauter! Oui, d'accord, tu peux y aller! En route! Aïe, aïe, aïe! Ah, oh, je souffre! Les voilà! On s'est dépêchés! Oh, ça t'apprendra à voler le miel des abeilles! J'avoue que j'ai eu ma leçon, mais que veux-tu? J'aime tellement le miel que j'ai pas pu résister. Mais je le regrette. Ah, je vais te soigner avec cette pommade qui va te guérir très vite. Vas-y doucement, hein. Je colle une feuille sur chaque pic. Aïe! Ne sois pas aussi douillet! Je n'appuie pas! Ah, c'est terminé, t'es encore plus beau qu'avant. Oui, on me l'a toujours dit. Le verre me va bien. Ouais. Ah, ça soulage. Ah non, reprends ta place, toi. C'est pas très gentil de se moquer d'un blessé. Écoutez-moi, je suis sûr que si vous aimiez le miel autant que moi, vous auriez été enchipé vous aussi. Ha, vous parlez d'un bon éducateur. Oh, il est difficile de résister à la gourmandise. Et moi, comme tous les ours, je suis gourmand. Oui, tout le monde le sait, Balou. N'aggrave pas ton cas. C'est pas pour rien que t'es grassouillé. Tu ferais mieux d'enseigner quelque chose d'utile à ces petits plutôt que de dire des bêtises. T'apprendras que je ne dis pas de bêtises. C'est ridicule de te mettre en colère pour si peu. Quelle mouche t'a piqué? Quelle mouche t'a piqué? Excuse-moi, je ne suis pas d'impatient. Je souffre de mes piqûres d'abeilles. La gourmandise se paie cher.
Viens, Simba, je t'emmène pour ta première leçon de chasse. Ah, ouais. Au revoir. Soyez prudent. Au revoir. Tu en fais des sauts. Oui, je suis content pour lui. Tu viens, Balou, on fait la course. Allez, Simba, dépêche-toi. Oui, voilà. Tâchez de ne pas vous perdre. Bonne chasse, au revoir, au revoir. Simba, cesse de sautiller et marche sans bruit. Ah oui. Maintenant, Simba, écoute-moi bien et tâche de retenir tout ce que je vais te dire. Oui, Bagheera, je serai un bon élève. Quand on part pour la chasse, il faut que tous nos sens soient en éveil, tu comprends? Et le premier de nos sens qu'il faut développer, c'est notre odorat. C'est lui qui nous dirige vers le gibier. Tu vois, je renifle déjà. Très bien. J'ai l'impression que j'ai reniflé une odeur de lapin. Oui, mais ce n'est pas en reniflant à tort et à travers que tu réussiras. Je vais te faire voir comment suivre une odeur quand tu découvres les traces du passage d'un lapin. Tu as vu toutes ces feuilles abîmées? Oui, ce sont les lapins qui les ont à moitié mangées. Suivons l'odeur. On touche au but. L'entrée du terrier. Attendons. Ils finiront bien par se montrer. Il suffit d'avoir de la patience et tôt ou tard, on sera récompensé. Montrez-vous! Pour le moment, oublions les lapins. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, tu dois apprendre à discerner d'autres odeurs. C'est l'odeur de Bimbo. Non, non. C'est effectivement une odeur de cerf, mais ce n'est pas celle de Bimbo. Chaque animal a son odeur, et celui-là, c'est un cerf adulte. Est-ce qu'on peut savoir où il est? Hein? À cette heure-ci, lui et ses congénères vont se disputer les femelles au bord du fleuve. Tu vois? Ils sont tous là. Pourquoi ils se battent comme ça? Le plus fort sera celui qui deviendra le maître des femelles. Ils s'en foutent de se bagarrer pour les femelles. Non, c'est leur loi. Il n'y en a qu'un seul qui doit diriger le troupeau. Et c'est au vainqueur que toutes les biches obéiront. Regarde, la plus belle d'entre elles suit cette lutte avec intérêt. Allons-nous-en. Fichons-leur la paix. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va suivre comme autre trace, hein? Quel autre animal tu proposes? Non, pas d'animal. Essaie de nous trouver de l'eau. Très bien, je vais essayer. Hein? Oh. Bimbo est en danger. Ah oui, c'est sans doute ton sixième sens. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est, mon sixième sens? C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. C'est difficile à expliquer. Ce sentiment, on le ressent au plus profond de soi-même. Il est irraisonné, alors libre à chacun de l'écouter ou non. C'est parfois la réalité, parfois non. Cette fois, c'est la réalité. Je vais écouter mon sixième sens, d'accord? Si tu en es persuadé, vas-y, mon petit. Suis ton intuition.
Et prends garde. Je vais le surveiller de loin. Bagheera m'a dit de m'approcher silencieusement et d'attaquer par surprise. Maintenant. Écoute, c'est pas ma faute. Oh, il a mangé du lion. Menteur, je vais t'apprendre à respecter les autres. Oui, tu entends? Lâche-moi, Simba, lâche-moi, tu te trompes d'ennemi. C'est Shere Khan, notre maître, à qui t'en veux, à toi et à Bimbo. Moi, j'obéis à ses ordres. Ah, lâche, tu n'as même pas le courage de tes actes. Il est courageux. Ils se laissent pas faire. Ils ne recommenceront plus. Merci, Simba. Tu n'as pas trop mal? Ça va? N'oublie jamais que je dois obéir à mon maître. Un jour, quand je serai grand, je lui réglerai son compte à ton maître. Dis-le-lui. Je lui ferai la commission. Je te laisserai plus seul et on demandera à Oleg de te soigner. Merci. Très bien, Simba. Tu seras un grand roi. Ça va aller? Oui, merci. Mais comment savais-tu ce qui se passait? J'étais avec Bagheera qui me donnait ma première leçon quand tout à coup, j'ai eu le sentiment que tu avais besoin de moi. Eh ben, dis donc. Bagheera appelle ça le sixième sens. Ah oui? Je savais que tu étais en danger. Viens. Reposons-nous et profitons du soleil. C'est une bonne idée. Je suis fatiguée, une sieste au soleil me fera du bien. Tu n'as pas trop mal? Non, ça va. Tu sais ce qu'on va faire? On va s'allonger sur l'herbe et regarder le soleil. D'accord, on fait ça. Waouh! Le soleil calmera tes douleurs. Ça fait mal aux yeux. Salut. Ne reste pas là. Je ne supporte pas qu'on touche à mon museau. On ne t'a pas encore dit qu'il ne fallait pas regarder le soleil en face? C'est très dangereux. Le soleil peut te brûler les yeux. Laisse-moi tranquille. Je veux découvrir par moi-même la force du soleil. Fais comme tu veux. Mais quand tu auras les yeux brûlés, tu ne verras plus rien. Tu devrais l'écouter. Après avoir regardé le soleil, on ne voit plus normalement. Dors un peu, Bimbo. Moi, je veux continuer mon expérience jusqu'au bout. J'aimerais tant découvrir pourquoi tu es si chaud, soleil. Tu ne connaîtras jamais le secret de ma force. Ma chaleur et mon éclat te détruiront si tu n'y prends garde. Incroyable.
incroyable. J'ai les yeux fermés, je vois toujours le soleil. Mon pouvoir est immense. Simba! Ah! Simba, tu ne dois pas regarder le soleil en face. Mais pourquoi il faut pas le regarder en face? Je croyais que le soleil était mon meilleur ami. Oui, mais le regarder en face est un défi. Ah? Ah oui? Ah, le soleil, c'est la vie. Sans lui, il n'y aurait rien sur cette terre. Ni animaux, ni insectes, ni plantes, rien du tout. Néanmoins, il faut être prudent avec lui. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à une amie qui regardait le soleil. Elle est devenue aveugle en voulant le défier. Chaud soleil, brillant soleil, quel est le secret de ta force? Grâce à tes rayons, je me réchauffe et ma peau mue facilement. Je te réchauffe, je t'aide, toi et tous les êtres sur la terre. Merci soleil, mais fais en sorte que je comprenne le mystère de ta puissance. Je ne vois plus rien. Tu as voulu découvrir le secret du soleil. Et puni. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Non, aide-moi. Ma pauvre. Je vais vite chercher Orek pour qu'elle soigne tes yeux. Attends-moi. Orek. Orek. Oui. Viens vite. Oui. Je t'emmène auprès de mon ami. Allez, grimpe. Hop. Oui. Voici Oleg. Elle va te guérir. Je suis aveugle. Je t'en prie, Oleg. Fais tout ce que tu peux pour elle. Je vais regarder. Approche-toi. Merci. Oh. Guéris-la et je te serai toujours reconnaissant. Oh, calme-toi, mon ami, mais je peux pas faire grand-chose pour elle. Alors je m'occuperai de ma compagne, je chasserai pour la nourrir. Essayons cette compresse. Courage. Oh. Elle a voulu connaître le secret du soleil et elle a été punie. Elle restera aveugle. Je te laisserai jamais seule, je te viendrai tes yeux, je serai toujours auprès de toi. Là, calme-toi, ma chère. Et voilà pourquoi notre ami est aveugle. C'est trop triste. Vous avez compris la leçon, j'espère. Ne jamais défier la nature, sinon elle se venge cruellement. Oui, oh, j'ai compris. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le hibou a des tas de choses à t'enseigner. Il en connaît bien plus que moi. Crois. Allez donc le voir. Allez, salut. Eh ben Simba, si t'es plus fatigué, on pourrait continuer et rentrer chez maman loup. Plus vite, j'ai hâte d'être arrivée, j'ai faim. Voilà, vous vous êtes rappelé de nous. Excuse-nous, maman loup, mais on a eu beaucoup à faire. Kimbali, si je ne reste pas souvent avec vous, c'est que je veux tout connaître. De la jungle et de ses habitants, j'en apprends tous les jours. Je disais ça parce que tu nous manques. Bimbo, mon petit, que t'est-il arrivé, hein? Ce sont les singes. Ils m'ont attaqué et ils m'ont frappé. Oh, quoi? Ils ont osé faire ça? Raconte-moi tout, tu étais seule à ce moment-là? Où était Simba? J'étais avec Bagheera. Il me donnait une leçon sur l'odorat et la façon de flairer le gibier. C'était ta première leçon de chasse. Je vois, ça t'a plu? Oui, mais... j'ai senti très fort tout à coup que Bimbo était en danger et qu'il avait besoin de mon aide. C'est ce qu'on appelle le sixième sens. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il est précoce, notre Simba. Il se sert de son sixième sens avant même d'avoir développé les autres. Nous avons étudié l'odorat. Oui, il m'a dit qu'aujourd'hui, tu lui avais enseigné à se servir de son odorat. Tu deviendras... comme ton père.
grandissant. Bon et généreux. Bimbo, t'as eu peur? Oh oui, les singes ont été très méchants. Harald, et Simba est arrivé. Va avec tes frères chercher Oleg pour soigner Bimbo. Ah, oui, maman. Faites vite, ne vous attardez pas. Entendu. Viens avec moi, moi aussi. Je vous attends. Revenez vite, les amis. Tu crois qu'il va guérir? Mais oui, ce n'est rien. Tu peux aller jouer avec lui. Ah oui? Simba nous rappelle terriblement son père, n'est-ce pas? Mais il est trop indépendant. T'en fais pas, la vie se chargera de le corriger. Simba fait l'apprentissage de la vie. Ses amis lui apprennent à développer tous ses sens, à réfléchir aux conséquences de ses actes, à vivre en communauté dans le respect des autres. Quand Simba sera grand, il mettra sa force et son intelligence au service de ses frères et de ses amis. C'est ce que nous verrons bientôt. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous dix ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici. On se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort. Quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie. Elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa. Chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.